Et voilà. Donc là, je crois que je débite. Quand vous voulez que je m'arrête, vous me dites. Parce que ça parle trop vite là. C'est où mon gloss? Ne me dis pas que j'ai encore perdu mon gloss. Il est rentré, mon poupette, il est parti coucher les enfants. C'est parti. T'as vu comment il lave mal mon lave-vaisselle ou pas? De ouf. Non, mais là, il y a un problème dedans. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai mis du sel, du poivre, du vinaigre. J'ai tout fait. À des sous, mon poupette, j'ai parti. Je l'aime même, je suis d'amour. Petite princesse. Mon poupette, finir demain. Tout finir. Donc je leur ai pris un hôtel, là je viens de leur prendre, ils m'ont dit qu'ils ont trop bien mangé, ils sont trop cons. Aussi en parallèle ma copine, tout ce qu'elle me manque. Donc je vais acheter les cadeaux, ensuite je vais prendre ma robe chez Dalcaftan. J'ai pris celle que vous avez voulu en doré, mais je l'ai pris en vert kaki, ok. Donc on va l'essayer. Non en fait, elle va pas du tout être simple, je vous explique. Je vais acheter les cadeaux pour Hafsa. Donc on va lui acheter des magnifiques cadeaux qu'on va vous partager, parce qu'elle a joué le jeu de pas regarder les stories et de pas se faire recevoir les stories. Donc on va tout vous montrer avec les fils ou Kanissa. Moi je vois Yusra demain, ils ont fait les retouches et tout. Et après je vais changer mon écran chez Picsou, parce que là la couleur floue c'est pas possible. Pour le Hlel samedi, j'ai envie de tout vous filmer, c'est mort de chez mort. De cette 68e finale de Ligue des Champions entre Manchester City et J'ai les yeux qui piquent et là ça commence à être vrai. Ah, j'ai les yeux qui piquent. J'assume pas du tout, j'assume pas là. Là, en ce moment je suis trop dans le sommeil. Je sais pas si je vais direct à Paris après la Marseille ou si je rentre un peu à la maison, je me repose après j'y vais. Une reine qui vient de se réveiller. Ma loulou aussi. Là je vais mettre les pâtes avec la sauce, mon poupette. Je vais mettre de la pêche, du poulet. Pas de sauce et c'est bon. Tu mets dans un bol ou... Dans un bol. Ok. On dit quoi? Merci, maman. Rien. Là, j'ai une question. C'est Anna. Peux-tu m'ouvrir ton sac? Je vais voir ce qu'il y a dedans, s'il te plaît. Allez. Attends, je peux les espérer en sortir un? Rose et tout. Tu les prends avec toi la même? Oui. Allez. Oui? Oui, je vais les prendre. Ok, je les mets dedans? Oui. Je sais pas, il y a un problème, je sais pas. Montre ton œil, ferme les yeux, ferme l'œil. Ah, je pense pas que c'est un or joli, mais on dirait qu'elle a été piquée par quelque chose. Je viens de lui mettre du sérum film, mais... Ferme l'œil, ma vie, encore. Ferme les yeux. Je sais pas, mes poupettes. Je sais pas du tout. Et mon bisou? Non. Ma vie. Ah. Fais un bisou à papa, Fais un bisou à papa. Bien. Oh l'amour. Oh mes hommes. Balil. Manger les petits déjeuners? Oui. Gâteau? C'est la vie directe. Petit déjeuner? Miam miam. Papa, il va garder Calice aujourd'hui. Tu vas rester avec ton papoune. J'ai tout préparé. Ton repas. J'ai préparé ton petit sac. J'ai préparé ta tenue. Papa va te sortir. Papa, il va le sortir un peu. Il va l'emmener au quartier, mais vous faites. Il va aller rencontrer les copains à papa au quartier là-bas. Là où papa, il a grandi. Hein, mon fils? Et maman, elle va aller à Paris. Parce que c'est pas bien Paris pour toi. Maman, elle a pas aimé l'autre fois. T'étais dans la voiture, fatiguée. Maman préfère que tu joues. Donc maman va te laisser ici. 3, slay! 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 Mais maman, je pense que tu as un grain dans ton cerveau, ma maman. Il y a quelque chose qui ne tourne pas normalement, ma maman. Et les pieds? Vous pouvez m'expliquer ça, c'est quoi, s'il vous plaît, mes poupettes? Mais ça, ça se mange! J'ai mis ma vie d'amour. Ma mère est une folle malade mentale. Mettez-la. Non, c'est que tu me laisses aujourd'hui, ma maman.
Tu vas quelque part, ma maman. Dis-moi la vérité, ma maman. Maman va à Paris aujourd'hui. Mais elle revient. Ok? Ça te va? Dis, je t'aime, maman. Dis, qu'elle se dit, maman. Papa. Non, pas papa. Maman. Dis. Papa. Mais non, pas papa, je t'en supplie, dis maman. T'as 13 mois, t'as jamais dit maman, t'as 14 mois bientôt. Dis, maman. À boire. À boire. À boire. Il dit que à boire et papa. Tiens, je te donne à boire, tiens. Il faut que j'aille me préparer, il faut que j'aille me faire belle. Du coup, mes poupettes, les filles et moi, on prend deux voitures différentes parce que moi, je vais quand même être un peu avec Yousra. Je vais la chercher, donc comme ça, de toute façon, on va être toutes les quatre ensemble. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, on va partir séparément. Moi, je dois réparer mon téléphone. J'ai pas envie de les emmener réparer mon téléphone. En fait, on va se retrouver à Dar Kaftan, on va se retrouver pour les cadeaux. Mais pour j'ai quoi d'autre, mes poupettes, je vous avais dit? Dar Kaftan, cadeau et téléphone, c'est tout. Ok. Bismillah, in the name of Allah. Regardez. Ah. Regardez. Ah. Le train. Le train. C'est quoi cette manière de se tenir? Je mange. Je t'aime. Mes poupettes, mes yeux, vous avez vu mes cernes là? Je vais être horrible samedi au Hlel. Je vais être horrible, mes poupettes. Dernière ligne droite, allez. Les travaux sont encore à fond. Je vais passer vite fait leur faire un coucou là. Ils sont encore à fond. Je vais leur déposer le plan de la cuisine. Ça y est, on a monté aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est fini niveau plinthe, parquet, peinture, cuisine. Demain. Tous les meubles arrivent demain. Demain, pendant que les meubles sont là. Là aujourd'hui on va acheter les cadeaux pour Hafsa. Demain pendant que les meubles sont là mes poupettes, on va aller acheter tout ce qui est draps, oreillers, vous savez tout ça, les petits détails, les petites déco, plaids, BM et tout. On va faire BM, IKEA et tout. Samedi, le Hlel il est à 18h. Donc avant 18h, genre vers 9h du matin, on est à l'appart. On met les draps, les oreillers, tout ça, les petits détails. Et dimanche, découverte. Parce que le Hlel à 18h, va finir à 4h du matin. Pas venir à 4h du matin, comme ça, voir leur appart. Dimanche matin, découverte. Voilà le programme. Voilà mes poupettes. Sur vos conseils, vous m'avez trouvé splendide hier. J'ai mis mon petit jean, mon petit haut, je vais mettre mon trench, mes poupettes. Par contre, niveau chaussures, je vais jamais mettre les talons. Vous me connaissez jamais de la vie. Je sais pas ce que je vais mettre comme chaussures. Faut que je mette des baskets, mais en vrai, je me suis rendu compte, je vous explique. J'ai plein de baskets. Vous savez, mes poupettes, j'ai plein de baskets. Mais j'ai aucune basket simple. Genre une basket toute noire ou une basket toute blanche, j'en ai zéro, à part les Yeezy, mais ça va pas avec. J'ai rien en tout blanc, les filles. J'ai rien, mais je peux pas mettre ça. Je peux mettre un truc comme ça, ça va pas faire beau avec le trench, c'est même pas le même beige. Ça, ça fait un peu classe, ça fait sportwear, c'est aucun rapport. Genre, voilà, vous voyez, j'ai ça, ou bien j'ai les Yeezy blanches, pareil, ça fait sportwear. En fait, il me faut, en fait là, prochain achat, mes poupettes, il me faut une paire de chaussures. Toute simple, genre soit blanche, soit noire, mais qui fait habiller. En gros, que je peux mettre avec des petits tailleurs et tout. En gros, moi, j'ai que des chaussures de sport. Ça fait trop moche avec des tailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, prochain achat. Bon, je vais chercher mes cils, mon amour, oui. En fait, je me dépêche. Hop. Je sais pas, du coup, on s'organise comment avec les filles? Elles veulent qu'on aille tous ensemble, mais... En fait, si on y va tous ensemble, là, je sais qu'on va, on va attendre Soukaina pendant 8 heures, en fait. Ça, je le sais. C'est ça, le problème. C'est que Soukaina... Elle est très stone, elle aime trop prendre son temps et tout. Et à côté, j'ai une pile hyperactive comme moi. Ou bien t'as Anissa, ça va, elle est entre les deux, Anissa. Mais Anissa peut être une pile hyperactive quand elle veut. Et voilà. Mais Souk, quoi. Souk, non. Du coup, là, je sais pas, mais pour être là, je vais aller déjà au chantier. Et si elles sont pas prêtes quand j'ai fini d'être au chantier, enfin, c'est bon, je pars. Je pars sans elles. Et on se rejoint là-bas, sur Paris, parce que moi, j'ai des trucs à faire. J'ai pas envie de les embêter à faire les mêmes choses que moi, genre... à le truc de préparation. Oui, mes poupettes. Donc vu que les filles, elles les ont déjà réservées, les sublimes robes, bah il reste ces robes qui, voilà quoi, en gros, qui sont jolies, mais qui sont pas non plus waouh, vous voyez.
Du coup, on fait avec ce qu'il y a et puis c'est tout. Et vu que moi, je suis une habituée de Dark Afton, je vais que chez elle, bah, pour moi, c'était logique, quoi. Mais du coup, là, on va voir si vous la trouvez belle en vert kaki. Celle que j'ai essayée en beige, la dernière, vous m'avez dit trop belle, mais pas waouh. Vous m'avez dit ça. Tout le monde m'a dit trop belle, trop belle. Il y a des poupettes, elles m'ont dit pas waouh. Je suis du même avis. Du coup, là, on va aller voir si en vert kaki, elle est un peu plus waouh. Vous voyez ou pas mes poupettes? Et voilà. Donc là, je crois que je débite. Quand vous voulez que je m'arrête, vous me dites. Parce que ça parle trop vite, là. C'est où mon gloss? Me dis pas que j'ai encore perdu mon gloss. Non, c'est bon, je l'ai retrouvé, mes poupettes. J'ai retrouvé mon gloss. Du coup, là, je vais mettre un peu d'highlighter. Par contre, comment j'ai fait dans ma vie pour sortir sans mettre de l'highlighter? Je trouve que ça change tout. Vous vous rappelez, mes poupettes, à l'époque où... En fait, c'est après ma grossesse, Sana, ça m'a chamboulée. J'étais vraiment... Là, je vous cache pas, mes poupettes. En gros, là, quand je suis de bonne humeur, je me regarde et tout, je me dis... Je commence à retrouver mon physique d'avant. En fait, tout change. Vous savez, c'est où que tout change? Le poids. Genre, le poids, ça change tout. Genre, tout le monde me dit, là, on dirait la poupette de 2019 et tout. Enfin, avec un léger coup de vieux, mais en gros, vous m'avez compris, quoi. On est bien. Hop là. Je vais mettre un peu de une goutte de repulpeur. Parce que comme mes cheveux sont propres comme ça, j'aime pas mettre des crèmes et tout dessus. Parce que ça lisse plus vite, quoi. Hop là. Petit déménage hyper rapide. Vu qu'on sort d'une bonne petite douche et qu'ils sont déjà très démêlés. Là, je les connais, mes cheveux. Devant, là, ils sont pas contents du boucleur qu'ils ont eu l'autre fois pour le shoot. Ils ont eu 2-3 boucles et ils sont choqués, en fait. Ça, le problème des cheveux, moins tu les habitues à la chaleur, plus quand ils voient une goutte de chaleur, genre un lisseur, ils sont choqués, ils ont du mal à s'en remettre pendant 15 ans. C'est incroyable parce que quand une poupette, enfin, quand une fille, elle va faire le lisseur tous les jours sur ses cheveux, des poupettes, et ben en gros, ses cheveux, ils vont tellement être habitués que ça va même pas lui abîmer, genre. En gros, limite, quand elle va rester 2 semaines sans lisseur, les cheveux, ils vont rien comprendre, ils vont dire qu'est-ce qui se passe, on n'a plus de lisseur. Par contre, quand t'es comme moi, t'es en mode nos sources de chaleur, séchage naturel, brushing de temps en temps, et ben MDR, quand il y a un brushing, ils font les choquer, mes poupettes. C'est ça que j'aime pas chez mes cheveux. C'est qu'en gros, vu que je suis en mode là, je les soigne, je veux qu'ils soient sains et tout, sans chaleur et tout, ben, un jour, je vais leur faire un brushing et ils vont s'en remettre un mois après. Un mois. En plus, c'est vraiment un mois. C'est au moins allez, 4 lavages pour qu'ils redeviennent à peu près ce qu'ils étaient. Alors qu'en brushing, en soi, c'est pas les plaques et tout. Mais regardez là devant. Ils ont eu une boucle, ils sont choqués de la vie. N'importe quoi. En plus, quand j'étais jeune, je faisais lisseur des fois et tout. Et ils se remettaient direct après. Je comprends pas. Mais bon. Hop, ça c'est fait. Je les scrunchais tête en bas. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, mes poupées. Moi, je suis en manque de sommeil. Je suis de bonne humeur. C'est fait, ça c'est fait. Bon, à peu près, de toute façon, ça va, c'est chaleur libre. On verra ce que ça donne, mes poupées. Hop là. On verra bien ce que ça donne. Et là, je sens qu'elles vont m'énerver. J'ai envie de les enrouler pour être sûre que ça finisse pas horrible à la fin de la journée. Hop là. Un peu de gloss. Magnifique. Ce gloss, je l'aime trop. Je sais pas, je trouve mon teint un peu fade. Je sais pas ce que vous en pensez. On va réchauffer un peu le teint. Ah oui, moi j'ai des termes de make-up. Attention mes poupettes. Hein. J'ai des termes de make-up. Respectez-moi. On va réchauffer un peu le teint. Avec la MAC. Ok, en plus j'ai des Converse blanches. Attendez, des poupettes, avant j'ai des Air Force blanches, mais j'ai pas de Air Force blanches. J'ai des Converse blanches. Est-ce que j'ai mes poupettes comme ça? Je mets ça, vous pensez? Elles sont sales un peu, non? Je mets ça avec mes poupettes. Ça. En gros, là, mes poupettes, j'ai mis le petit blazer. De toute façon, il pleut. En plus, hier, quand je vous ai dit je mets le blazer, vous m'avez dit quoi? Non, il fait vraiment trop chaud. Non, 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 dans ma tête, j'ai dit ok. Et là, je vois quoi? Il pleut. J'ai dit, je suis contente qu'il pleuve pour pouvoir mettre ce beau blazer.
Donc mes poupettes, en gros, je mets ça, ça. Est-ce que vous pensez que les Converse, ça va faire beau? Je mets les Converse, de toute façon, j'ai envie de vous dire, mes poupettes, que j'ai pas d'autre choix. Celui-là, il veut pas me laisser partir. Mes poupettes, j'ai rajouté ces petites boucles d'oreilles-là, c'est comme tu touches et voilà. Calice, il veut pas me laisser partir, mon bébé. Viens, viens. Viens, câlin avec maman. Viens. C'est dur, ma vie, c'est dur. Je sais que c'est dur, je sais. Allez, vas-y, repose-toi, détends. Je sais que c'est dur de quitter sa maman, je sais que c'est pas facile. Oui, je sais, mon amour. Je sais. Là, il veut sa sieste du matin, tu sais ou pas, il est fatigué. On remarque qu'il est fatigué, il est KO là. Là, il faut juste le mettre sa couche et l'endormir. Mon amour. Je sais que c'est dur pour toi. Je sais que c'est dur d'être sans le sein de maman, d'être séparé de maman parfois, car on a un lien très, 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 très proche, toi et moi. On est très, très soudés, toi et moi. Maman, elle travaille. Maman, elle a des choses à faire, mon amour de ma vie. Maman, on ne peut pas rester tout le temps avec toi au détriment de toi. Je ne vais pas te prendre dans une voiture toute la journée. Je ne vais pas te laisser dans la voiture. Et si tu t'amuses avec papa, tu vas sortir, tu vas manger, faire du vélo, c'est mieux ça? Ou c'est mieux que tu restes avec maman toute la journée juste pour... Calme-toi, mon amour, calme-toi. Ça va aller, ma vie, ça va aller. Fais son assiette, mon frère. Ça y est, ma vie, ça y est, ça y est. Avec Alice, on a un lien trop fort. C'est trop. Il est que avec sa maman. Il veut jamais être séparé de sa maman. Pas que je me salisse, moi. Je coupe parce qu'il perd beaucoup. Bismillah, je vais en prendre pour Islem, les filles. Je fais l'assiette à Calice. Je vais en prendre aussi pour mon bébé Islem. Voilà, c'est pour mes poupettes. Allez, mes beautés. Go. Bon, vous m'avez dit que j'étais belle. Avec les Converse, que ça fait beau. J'ai tout. C'est bon, mes poupettes. Clé, sac, repas. J'ai tout. Mon petit bébé, t'es trop mignonne, mon amour. Là, on va essayer nos robes et je reprends la question-réponse après, ok? Et mon essuie, mon étui. Enfin, mon essuie et le nez. C'est bon, hein? On dirait une bad bitch comme ça, alors que ça, c'est pas du tout moi. En fait, c'est pour ça que je crois que j'ai jamais voulu prendre deux paires de lunettes. Parce qu'on dirait une meuf qui fait sa meuf. C'est ça, mes poupettes, là. Là, on dirait que je fais ma meuf, genre ma star. Alors que je suis... Alors pas du tout, en fait il y a des accessoires. Quand vous les mettez, je vous jure, on dirait que vous vous prenez pour je sais pas qui, genre. Genre même des fois des sacs trop classe et tout. Genre des Birkin de chez Hermès et tout. Ça donne tout de suite une prestance, je trouve. Quelque chose de... J'aurais une magnifique qualité pour vous faire des magnifiques snaps. Là, vous vous dites, ah, oh, mais elle est belle sa qualité. Mais moi, je vois, c'est tout flou. C'est trop moche. En gros, sur l'appareil photo facial, il y a une rayure. Du coup, ça fait flou. Ça fait trop moche. Bon, du coup, les filles, on est avec Enza. Elle est venue me récupérer. Donc là, on va aller au chantier. On va aller voir nos ouvriers. Voilà. Parce qu'il y a des petits clans. Voilà. Alors, là-bas, mes poupettes, il y a des petites histoires qui sont créées. Pour des petits pots de peinture, des petites donc on va aller apaiser, calm down les tensions. Entre il y a deux clans en fait, les filles, voilà. À l'appart, donc on va aller voir tout ce qui se passe. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire, mes poupettes, parce qu'en fait, je pense qu'ils sont tendus parce qu'on doit avoir fini avant samedi, donc même eux ils ressentent la pression. Voilà. Et donc, du coup, là, on va essayer de les calmer. Ça avance pas ou pas? T'es choquée? Regarde les plantes et tout. Coucou ma vie d'amour. Alors la soirée d'hier, on fait moins la maline. On fait moins la maline. Alors ma vie, regardez comment ça avance très très bien. La Sto, elle est en train de monter la cuisine. Alors elle est bien, mon bébé, elle est facile à monter. Ouais. Voilà, petite cuisine en cours de montage. Les moulures sont quasi terminées. Il manque plus que la peinture à faire au-dessus. Le parquet c'est fait, les plaintes c'est fait. Ah, ce qu'elle a parié, mes poupettes. Elle a parié que ça serait pas fini avant samedi. Sachez que je ne vais pas la lâcher. Et j'ai reçu mes stars, hein. Faut qu'on les ramène. Tu en as ? Oui. Mais du coup, c'était... Mon petit bébé, il s'aime, mais peut-être il a oublié sa casquette dans l'ascenseur. Bon, allez, on y va. On ne rappelle pas les époques 2010, mes poupettes ? Ouais. Ça va ou quoi ? Là, je suis au quartier. Top ! Waouh, les moulures, tu gères. Magnifique. Trop bien, les plantes et tout, ça avance trop bien là. Ah, vous avez enlevé le vasque? Oui, c'est bon. Génial, génial les filles, regardez, ils ont enlevé tout le vasque, là ils vont faire toute la peinture. Comme ça, on va pouvoir le changer et vous mettre le parquet aussi, parfait. Fine. Genre, tu manques elle a dit la cuisine, aujourd'hui, peut-être un peu demain matin, mais sinon en gros, ça y est. Nickel. Ils auront fini toutes les peintures et tout, on ne manquera plus qu'à faire quoi? Les détails. Là, mes poupettes, l'appartement commence à prendre forme. On est les plus heureuses du monde, hein ma chérie? De ouf. Mes poupettes, tellement heureuses. Oh,
Et mais là, ça commence vraiment. Là, aujourd'hui, tout est accroché, les lustres, accroché, les stores. Les tapis, c'est bon, ils sont arrivés au salon. Donc là, les, les stores sont arrivés. La table basse, ça vient. On a tout, ça y est, tout vient demain matin. Ok. Tous les meubles viennent demain matin. Les tapis, les, ils sont tous à mon salon. En fait, j'avais fait une grosse commande pour chez moi. Ok. Mais en fait, je vais tout lui donner parce qu'on n'a pas le temps de commander. C'est que du blanc, du pur, du épuré, de ça et tout. Magnifique. Super. Et je vais tout lui donner et moi, je recommanderai pour moi, ok. Nickel. Pourquoi toi, t'en as. T'as arrêté Starbucks. On s'en fout de tes Starbucks. Et pourquoi vous êtes en retard en fait? Parce que vous mettez des coups de pression aux gens toutes les dernières. Donc là, le virement, il a été fait, ça y est. Donc là, attendez, là, le virement, il en est où, s'il vous plaît? Le virement, il en est où, s'il vous plaît? Il est en cours. Il est en cours. Même, tu t'as pas. Mais ils ont confirmé. Ah, ils ont confirmé. Ah, c'est bon, donc ils ont confirmé. Donc là, il va aller où alors? Il va chez Atlas. Mais là, s'il te plaît, il y a des gens, ils sont harcelés par ta prise de parole. Arrivé, mais pour pas être désolée, tout à l'heure on était en discussion, donc là on est arrivé sur Paris. Donc le programme, c'est qu'on va déjà acheter les cadeaux. Ensuite, on va à Dark Aftan. Et ensuite, on va réparer mon téléphone. Et ensuite, on rentre. C'est ça, mes chéris? Oui. Ok, parfait. Hello Paris! Bonsoir Paris! Bonsoir Paris! Comme c'est trop beau Paris, mes poupettes, c'est vraiment la plus belle ville du monde. En plus, c'est vraiment la plus belle ville du monde. C'est trop beau, l'haussmannien comme ça et tout. Je trouve ça sublime. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'habite à Paris avec mon père quand j'avais 16-17 ans? Je suis venue habiter à Paris, j'étais en crise d'ado avec mon père. Je sortais tout le temps sur les champs et tout. Genre, c'est forêt, enfin, à 23h et tout. C'est génial. Bon, vous êtes prêtes pour le premier? Ouais. Je mettais déjà mes petites lunettes de soleil là pour descendre les belles marches de chez Cartier. Croyais-tu que j'allais prendre une bague à 257 000 euros? Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Nel, j'espère que tu vas bien, ma beauté. Je voulais te faire un gros bisou de la part de ton mari d'amour qui est trop adorable, donc, qui travaille chez Cartier, qui nous a offert plein de petits trucs. Donc on voulait t'embrasser et bisous! Les spectacles, les filles, je viens jamais à Paris, il y a du spectacle. Il y a quoi aujourd'hui comme fête? Il y a rien, ils font du spectacle, j'aime trop. C'est les pompiers, non? J'aime trop. Anissa, elle a compris, ma petite chérie. Elle prend les sacs, les filles, elle les sort de la voiture. Vous vous rappelez ce qui m'est arrivé avec le labo du sourire l'autre fois? Quand je vous ai dit, ma voiture, elle était cassée. On a pris tous les sacs, ça sert à rien de venir. Mais la dernière fois j'avais dit ça et ils sont quand même venus. Non, ils ont essayé le siège auto, ils ont pas réussi. Jacques Mus, mes poupettes, c'est grave beau. Je suis jamais venue de ma vie dans leur boutique, c'est joli. Trop beau. C'est trop belle la boutique, vous pouvez regarder. Trop beau. Allez, dernier cadeau, mes poupettes. Et ensuite, on va aller manger. Ah, vous allez m'acheter quoi, mes chéris? Il est 16h, on n'a rien mangé de la journée. Je vais perdre tous les kilos que j'ai pris, mes poupettes. Ça fait 3 jours que je mange pas, mes poupettes. Désolée, mes poupettes, je n'appe pas trop. Bah, quand je suis en famille et puis on fait des achats et tout, c'est un peu galère quoi. Et il y a énormément de queues chez Hermès. Ça me fait penser à Sou, tu sais, quand on est venu. Mon petit bébé, j'avais pris ses claquettes. Je fais très parisienne là, tu trouves pas? Avec mon pied. Bonjour. Mes poupettes. Je suis avec une vendeuse, voilà. Elle me dit pas de soucis. Elle a dit quoi, ça? Elle a dit que depuis qu'elle a dit qu'il y avait les claquettes chips à Hermès, il y avait toute la roue le lendemain pour dire. Mes poupettes. Et il y a des poupettes qui sont passées avant vous. Il n'y en avait plus, mes poupettes, du coup. Et vous avez fait la queue pour rien, fallait me demander avant pour être sûre. Poupettes, j'ai plus le droit de filmer parce que. Ils m'ont stoppé à l'entrée, ils m'ont dit il n'y a plus de vidéo ici. La dernière fois que vous êtes venu. Il y a eu une avalanche de personnes qui sont venues pour des chiffres. Et en gros, ils ont eu des problèmes. Parce que même chez Hermès, je suis fichée. Tu racontes? Je viens de dire que celle-ci, c'est du teint. Voilà. Et les couleurs, elles sont pas. Non, c'est vraiment si tu as de l'argent et à dépenser. Et
Après, ou que tu sais super bien t'habiller, que tu peux les claquer avec ce que tu veux. Ouais, mais tu vois, les mettre avec tout, c'est ça le problème. Que du noir. Et les couleurs comme ça, je trouve que tu t'en lasses. C'est vrai que c'est pas du noir.